Bienvenue chez le Big Boss, Rick Ross. Les deux premiers albums de Rick Ross ont fait un carton aux États-Unis. À ses débuts comme maître de cérémonie, il était tellement populaire que Jay-Z et P. Diddy se le sont disputés à coups de chéquier. Rick a créé sa propre maison de disques et a collaboré notamment avec Chris Brown et Kanye West. Mais figurez-vous qu'avant de devenir une sensation du rap, il était gardien de prison en Floride. Avant d'entrer visiter la maison, allons voir quelques bagnoles. Regardez ça. Non, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est la voiture. Deux sièges à l'arrière, intérieur cuir, écran plasma, connexion satellite. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour aller où vous voulez. Je vais vous montrer la maison. Vous venez d'entrer dans la maison du boss. On commence la visite avec ce sol en marbre, d'accord? C'est comme ça qu'on construit un empire, du sol au plafond. Venez, suivez-moi. Ici, on se trouve dans la cuisine. Je suis un gros mangeur. À mon niveau, c'est un véritable investissement. C'est ici que je viens pour me détendre la plupart du temps. Dehors, on voit les palmiers. Et là, j'ai ma télé. C'est pas parce que j'ai l'air à l'aise que je suis sur le point de m'endormir. Je vais pas m'endormir. Compris? On est dans les appartements présidentiels de la Maison Blanche, regardez ça. J'appelle ça la promenade du milliardaire. C'est une vue à plusieurs millions que vous admirez. S'il y a bien un truc que j'ai appris là d'où je viens, c'est que tant que je peux penser et tant que je peux rêver, alors tout est réalisable. Je me réveille avec des rêves de caviar et de champagne plein la tête. Alors j'aime bien verser un peu de champagne sur ma brosse à dents pour toujours avoir un sourire à toute épreuve. Mais j'ai poussé le truc encore plus loin. J'ai fait décorer ma salle de bain sous le signe du champagne. Il y a des bouteilles de luxe incrustées dans le mur. Mesdemoiselles, oubliez les cabines UV et venez voir papa. J'ai tout prévu. Vous vous mettez juste là. Comme ça, et vous ressortez aussi noir que moi en 20 minutes. Hey! Vous êtes à présent dans le jardin du boss. Ici, l'été, les températures grimpent pas mal. J'ai fait installer du marbre italien qui ne chauffe pas. Comme ça, on se brûle pas les pieds. Voilà, vous avez vu ma maison et quelques-uns de mes jouets. Vous avez vu comment ça se passe chez le boss. Merci MTV, c'était vraiment sympa. Mais le quartier m'appelle, surtout changez rien.